Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit effet pour introduire justement une routine derrière. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant, c'est très simple, c'est très subtil. C'est pas un tour de magie en lui-même, mais ça peut être intéressant derrière pour enchaîner un petit tour. Bref, comme d'habitude, la démo et les explications se trouveront dans la description. Ah, et les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec un jeu de cartes qu'on va un petit peu mélanger, on peut le faire comme ça, on peut le faire aussi comme ça, ça change un petit peu, pas de problème. Et regardez bien ce qu'on va faire, on va tout simplement couper le jeu et poser une carte. On va encore couper le jeu, poser une carte, on coupe encore le jeu, on pose une carte, on coupe le jeu, on pose une carte, tout ça de façon aléatoire. Et pourtant, si on claque des doigts, croyez-le ou non, les cartes posées sont bien des as, les 4 as, ce qui va nous permettre derrière d'enchaîner une petite routine comme Twisting the Ace ou une routine tout simplement utilisant nos 4 as avec le reste du jeu. Voilà, et voilà, c'était plutôt rapide, voilà, c'était un petit effet de production d'as. Bien entendu, vous pourrez amener ça différemment, faire produire une Cane Flush Royale ou autre. C'est très simple à faire, c'est pas un effet, un tour de magie en lui-même, c'est juste histoire d'introduire ensuite une routine derrière. Au lieu de sortir bêtement les cartes en les effeuillant comme ceci, ben là vous pouvez faire ce petit effet très sympa pour entamer le truc sans pour autant que ça soit difficile pour vous. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu en bas de cette vidéo et également un commentaire sur la vidéo de préférence. Si vous avez vraiment des questions à me poser autres que sur cette vidéo ou même sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire via les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Au moins là on peut discuter plus facilement, je peux vous répondre, voilà, c'est beaucoup mieux que la section commentaires qui demande à faire à chaque fois des notifications, de voir, des fois je les vois même pas. Donc voilà, essayez plutôt, si vous avez des questions, si vous voulez discuter, d'aller sur les réseaux sociaux pour faire ça. Comme d'hab, mon école de magie, magistreaming.fr, pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie de la pièce, le tour accompagné de tours expliqués, la plateforme de VOD, et également pour ceux qui désireraient me soutenir, vous avez la possibilité de souscrire à Tuto Magie Premium directement sur YouTube pour avoir accès à du contenu exclusif, vidéos exclusives, emojis exclusifs, et la possibilité de participer à un concours tous les 15 du mois réservé aux membres. Bref, tout est dans la description, merci à tous d'être si nombreux chaque semaine, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait grave plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.